Je viens devant ta présence, ô Jésus. Car c'est dans ta présence que je trouve la joie. C'est dans ta présence que je trouve le bonheur et la vie. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je... Shalom, 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 shalom. Royo Sharabaya Shenderebe. Prakaso Karamaya Shende. Gloire à Dieu. Shalom, bien-aimés. Bonsoir chez vous. C'est l'heure du parfum du soir. Des moments agréables, des moments bénis où nous sommes visités par le Seigneur. Des moments où nous communions avec lui. Des moments où nous prions ensemble. Où nous faisons monter nos prières vers le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus et je suis très heureux de vous retrouver encore ce soir dans le cadre de ce programme. Je voudrais que vous puissiez, avant toute chose, inviter les membres de votre famille, peut-être qu'ils sont dans d'autres pièces, ou même peut-être qu'ils sont encore à l'extérieur, en train de recevoir quelqu'un qui était venu. Je vous en supplie, d'inviter toutes ces personnes à s'associer à vous, afin que nous puissions en prier ensemble. Je bénis le Seigneur et je ne serai pas seul ce soir. Ce soir, je suis avec ma sœur Esther. Esther Kumbu, bonsoir. Bonsoir, papa. À part ma sœur Esther, je suis avec ma fidèle compagnonne. Peniel Njeke. Bonsoir Peniel. Ensemble, nous allons prier et la gloire va revenir à notre Seigneur. Alléluia. 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 Alors, je voudrais d'abord que nous puissions recommander ce moment entre les mains du Seigneur et que le Saint-Esprit puisse nous conduire, qu'il puisse seul nous guider, que ce ne soit pas notre expérience, que ce ne soit pas notre connaissance, mais que ce soit plutôt le Saint-Esprit qui nous conduit. Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te recommander ces instants, Seigneur. Nous voulons que tu puisses nous conduire, Seigneur, que ce ne soit pas nos pensées, nos calculs, nos réflexions, nos expériences, mais que ce soit toi seul qui nous conduis, Seigneur. Nous voulons que tu nous diriges pendant ces instants, Seigneur. Oh, que ton Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses et que tes anges soient en action, Seigneur. Mes frères et mes sœurs sont en train de prier, sont à la maison, sont en train de nous suivre en ligne. Seigneur, je voudrais que tes anges entrent en action, même là où ils sont, Seigneur, et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Je voudrais prendre l'évangile selon Marc. Nous allons prendre le même chapitre que nous avons lu la semaine passée, c'était le lundi. Nous allons prendre Marc chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. S'il vous plaît, mon frère Francis, qui est au niveau de la régie, ainsi que... Voilà, nous allons lire le verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. 27. Et entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Je voudrais qu'on puisse retenir cette petite phrase. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle n'est pas venue par devant, elle est venue par derrière. Verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et... se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Dans d'autres versions, on dit, « Qui m'a touché ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?»
Je voudrais qu'on puisse retenir aussi. Mon frère Francis, voilà. Je voudrais qu'on puisse retenir aussi cette phrase-là. Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? 32. Le verset 32. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. 33. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. 34 enfin. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen, amen. Je voudrais prendre les caractéristiques dont j'ai fait allusion la semaine passée, lorsque j'étais en train de parler de cette dame, de cette femme. Certainement, c'était une femme qui était à l'aise dans la vie, parce que lorsqu'on dit qu'elle avait perdu tout son bien, tout ce qu'elle possédait, en fait, c'était une femme certainement qui, je ne sais pas si elle pouvait être dans les affaires, ou bien certainement c'était une femme à l'époque, avant qu'elle puisse commencer à souffrir, c'était une femme de distinction. Mais voilà que la vie a fait qu'elle puisse avoir ces caractéristiques qu'elle n'avait pas avant. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle était atteinte de la perte de sang depuis 12 ans, depuis 12 années. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Donc chaque fois qu'elle entendait parler d'un médecin, elle y allait. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. C'était une femme qui, certainement avant, elle possédait des biens, mais qu'elle a perdu à cause de sa maladie. Aucun soulagement, mais plutôt, elle allait en empirant. Elle n'avait eu aucun soulagement. C'est-à-dire tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle dépensait, tous ces voyages qu'elle faisait pour aller trouver la guérison. Mais au contraire, la situation s'empirait. Et maintenant, la loi. Il y a la loi de l'autre côté, vous lirez dans Lévitique chapitre 15, je crois, où on parle de ces femmes atteintes d'hémorragie ou des femmes qui devaient avoir leur mensuration. Et au fait, la société déclarait cette femme comme étant impure. Donc, du coup, elle ne devait pas rester au milieu des autres. Elle était marginalisée, elle était refoulée, elle était refusée de la société parce qu'elle avait l'écoulement de sang. Et elle n'avait pas voulu cela. Mais la vie a fait qu'elle puisse en avoir. Comme vous aussi, ma sœur, mon frère, vous êtes dans une situation où vous n'avez jamais souhaité être dans cette position-là. Mais la vie a fait que vous puissiez vivre ce que vous êtes en train de vivre, exactement comme cette femme. Peut-être que vous souffrez plus, ou peut-être que cette femme souffrait plus que vous. Voilà, en fait, elle était rejetée de la société à cause de sa situation. À cause de ses mensurations, interminables. Cette femme souffrait. Mais la Bible dit, dans le verset 27, Luc 5, verset 27, mon frère Francis, « Ayant entendu parler de Jésus, elle décida, elle a pris l'option, elle a pris le courage, elle a osé venir au milieu de cette foule et elle décida de toucher son vêtement. Elle a décidé de toucher ses vêtements. Non, je disais Marc chapitre 5, mon frère Francis, excusez-moi. Je disais Marc chapitre 5, le verset 27. Au fait, c'est le même texte que nous étions en train de lire. Je voulais insister sur le verset 27. Donc Marc chapitre 5, le verset 27. En fait, elle décida de toucher son vêtement, les vêtements de Jésus, et pourtant cela lui a été interdit, cela lui a été défendu. Elle ne pouvait pas toucher le vêtement parce qu'elle était impure. Parce que dans le livre de Lévitique, il est bien renseigné qu'une femme impure, à cause de son écoulement de sang, tout ce qu'elle touche devient impur. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est le courage de cette femme, la décision de cette femme. Elle a dit, je vais toucher son vêtement. Elle s'est dit en elle. Vous savez, il y a certaines choses dans la vie,
Si nous ne le faisons pas, rien n'arrivera. Nous n'aurons qu'une solution. Elle pouvait rester dire que il m'est interdit de toucher quelqu'un parce que je suis impur. Mais elle a décidé de toucher. Combien même elle savait? Parce qu'elle n'avait pas d'option. Son option, c'était Jésus. Et la société, la vie, la loi lui interdisait de toucher. Bien aimé, beaucoup de gens n'osent pas faire ce qu'ils doivent faire parce qu'ils ont peur, parce que la loi de la société leur interdit, parce qu'ils savent que s'ils osent faire cela, telle chose leur arriverait. Qu'est-ce qu'on dira de moi? Mais et pourtant, si vous ne vous levez pas, comme cette femme s'est élevée, rien n'arrivera, vous n'aurez pas de solution. Et si vous ne vous levez pas, pour combattre, comme aujourd'hui on doit combattre dans la prière, rien n'arrivera et la loi de votre famille, la loi qui vous oblige à rester au bas niveau dans cette famille, cette loi ne sera jamais vaincue. Et pourtant, dans le livre, dans l'épître aux Romains, le chapitre 8, le verset 1er, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés, en Jésus-Christ, vous n'êtes plus condamnés par la loi. Et qu'est-ce que la Bible dit dans Romains 8, verset 1er? La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible poursuit en disant, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Elle n'était pas concernée par la loi du péché et de la mort. Ce qui devait l'intéresser, c'était la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Moi, je dis que cette dame avait été comme le fils d'Issachar. Ils avaient l'intelligence de temps. Cette femme avait compris que c'est le moment, c'est le temps, c'est le kairos. Je dois aller, je dois toucher. Et cela viendra, peu importe ce que la société dira, peu importe ce qu'on me fera. Bien-aimé, je le redis, si vous vous levez et vous décidez d'avoir cette guérison, d'avoir cette délivrance, la loi de la famille, la loi de la société n'aura plus d'effet sur vous. Gloire à Jésus. Il y a une chose que je voudrais aussi relever. Le toucher. Plusieurs personnes se pressaient sur Jésus. Ils se débattaient. Là où ils étaient, il y avait une foule. Tous les gens se pressaient. Mais vous savez quoi? Une seule personne a touché. Parce que le toucher de la foi fait sortir la puissance du maître. Le toucher de la foi change les vies. Le toucher de la foi change l'histoire de votre vie. Mais il faut que vous vous décidiez de vous lever. Comme le révérend le disait aujourd'hui, si elle ne s'était pas levée pour aller toucher, si elle ne s'était pas décidée pour aller toucher le vêtement, rien n'allait se faire. Bien-aimé, là où vous êtes, dans votre salon, vous hésitez pour commencer, vous hésitez pour faire. Si vous ne vous levez pas maintenant, rien n'arrivera. Aujourd'hui, c'est le jour où vous allez prendre la décision. Parce que vous êtes avec le Seigneur. Parce que le Seigneur est avec vous. Parce que le Seigneur marche avec vous. Il a mis sa puissance en vous. Et vous avez la possibilité, le pouvoir, the power, pour réussir dans cette chose. Aujourd'hui, nous allons prier. Et aujourd'hui, le shalom viendra dans votre maison. Et ça sera la délivrance. Plusieurs personnes se pressaient. Mais une personne a touché. La puissance qui était programmée, je pense, je le dis, permettez-moi de le dire comme ça. La puissance qui était programmée, c'était la puissance de la guérison des enfants des 12 ans. Mais le toucher de la foi a fait sortir
la puissance de la guérison des gens qui ont souffert pendant 12 ans. Même lorsque vous n'avez pas été programmé, le toucher de la foi est capable de sortir le miracle que vous attendez. Bien-aimés, nous allons prier. Je voudrais aujourd'hui que vous soyez révoltés. Vous êtes restés pendant longtemps dans cette situation. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la visitation. Vous êtes restés longtemps dans cette situation qui vous déplaît. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la visitation. C'est le jour de la solution. C'est le jour où la main puissante intervient dans votre vie. Dieu est bon pour nous. Il ne vous a jamais abandonné. Il ne vous abandonnera pas maintenant. Parce qu'il a dit, et j'ai toujours dit ça, et je le répète encore aujourd'hui, il a dit, je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai point. Et je ne vous délaisserai point. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Il faut que la main de Dieu intervienne dans votre situation. Vous avez souffert pendant combien de temps? Quelle que soit la maladie, cette femme, certainement, elle avait le cancer du col utérin. Quelle est votre situation? Vous souffrez de quoi? Mais le Seigneur aujourd'hui est là. Le toucher de la foi peut changer la situation. Le toucher de la foi peut amener la guérison. Le toucher de la foi est capable d'amener la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un dire « Gloire à Dieu ». J'entends quelqu'un dire « Gloire à Dieu ». Bien-aimés, nous allons prier. Je voudrais que nous puissions prier à la manière de Philippiens 4, verset 7. Si on peut nous mettre à l'écran Philippiens chapitre 4, verset 7. Je voudrais toujours que nous puissions nous saisir de la parole de Dieu pour que nous puissions mieux prier. Philippiens chapitre 4, le verset 7 nous autorise à prier, à faire savoir nos besoins, à aller dans les supplications. Je voudrais que nous puissions prier, bien-aimés. Prenez une bonne position parce que là, nous allons prier. Sharamarabaya shenderebe. Et la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence. On peut commencer au verset 6. Au verset 6, s'il vous plaît. On peut commencer au verset 6. Mon frère Francis, s'il vous plaît. Le verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Comme cette femme, elle avait décidé de ne plus s'inquiéter. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Nous irons avec des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et nous allons faire savoir nos besoins à l'Éternel. Bien-aimés, je voudrais que vous soyez libres de faire connaître vos besoins à Dieu. Je voudrais que vous soyez libres de supplier le Seigneur d'intervenir dans vos situations. Et nous ne manquerons pas de nous faire monter des actions de grâce. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur que nous avançons vers lui. Nous sommes convaincus qu'il ne nous abandonnera point. Nous allons dire au Seigneur que nous croyons fermement qu'il est capable de changer les choses dans notre vie. Puisque nous ne nous inquiétons pas, nous venons vers lui rassurés de sa main puissante qui agit dans nos vies. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Nous entrons dans ta présence, Seigneur. Nous sommes rassurés, Seigneur, que tu es celui qui fait des grandes choses dans nos vies, Seigneur. Seigneur, avec mes frères, mes sœurs, Seigneur, nous savons que toi seul es capable. Nous savons que toi seul es capable de nous faire du bien. Toi seul es capable, Seigneur, de soulager nos peines, Seigneur. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu capable, Seigneur. Oh, Seigneur, comme cette femme, Seigneur, nous nous décidons de nous lever, Seigneur, et de venir vers toi, Seigneur. Nous n'avons pas peur des lois de notre famille. Nous n'avons pas peur des lois qui nous obligent à rester dans des difficultés, dans des souffrances, dans les échecs, Seigneur. Mais nous nous approchons de toi, Seigneur. Rassurés, Seigneur.
Bannissons l'inquiétude, Seigneur. Tournons le regard vers toi, Seigneur. Rassurez, Seigneur, de ton intervention. Rassurez, Seigneur, de ton action, Seigneur. Rassurez, Seigneur, que tu nous écoutes. Et puisque tu nous écoutes, Seigneur, certainement tu nous feras du bien. Certainement, Seigneur. Oh, Raya Mandoria Kaya Shenderebe. Ma brouya ze kantara manda chaka. Maria Mando se baragaya garaba. Ma brouza karaba ile shende. Oh, Ramaya Sendere ma brouza kanto. Maria Mando se mere kanta. E karaba ile ma brouza karaba ile shenda. Maruya Mando se maraga. E karaba ile sheka. E karaba raba ile sheka. Oh, Ramaya se karaba raba. Mando raba raba ile sheka. Oh, raba raba ile shendere be brouza kanto. Ma brouya zo kanta. Maria Mando se mararaya shende. Ma brusa cantoria kayeke. Mi karima inde skabu mara. E karama inde sheka. To pusani riboso na yo. Na trône na yo établi, Seigneur. Rassurez que zali zambo asalaka. Rassurez que zali o asalaka kokamo. Rassurez que zali o akota kama kamba bina biso. E na komo na Yesu. 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 Ma brouille est cantoria. Ma rouille mando se brouilla. Toi seul qui es capable de sécher nos larmes. Ma brouille est cantée. Ma brouille est cantée. Ma brouille est cantée. Ma rouille est mando se mérega. Oh, rabaraba. Oh, rabaraba. Menda rabaraba il est chendé. Ma brouille est cantée. Menda rabaraba il est chendé. Ma brouille est carabaraba il est chendé. Sambena makokinyo sondeyo Zambona bola munyo sondeyo Eya weto tombolio Eya weto kumisio Oza malam Oza malam Oza malam Eya we Totombolio mwenge bene Totombolio nzambena nguya Dieu de gloire nous t'élevons Dieu de gloire nous t'exaltons Nous sommes rassurés Seigneur Que ta main puissante Seigneur Entre en action Seigneur Maintenant Seigneur Nous savons nous sommes rassurés Que mon frère Que ma sœur vivra ta gloire, vivra Seigneur ta puissance dans sa vie, Seigneur, parce que tu es le Dieu capable, parce que tu es le Dieu puissant, parce que tu es celui qui règne, Seigneur. Ceux qui espèrent en toi, ceux qui tournent le regard vers toi, Seigneur, ne sont privés d'aucun bien, Seigneur. Oui, Seigneur, nous croyons, Seigneur, fermement, Seigneur, que tu es capable. Nous croyons, Seigneur, fermement, Seigneur, que tu interviens. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu as visité cette femme, Seigneur, pas parce que toi tu es allé vers elle, Seigneur, mais parce que, Seigneur, elle s'est approchée de toi, Seigneur, d'un cœur sincère, Seigneur, rassuré de ton intervention. C'est pourquoi, Seigneur, mon frère, ma soeur et moi-même, Seigneur, nous nous approchons de toi, Seigneur, rassuré, Seigneur, que tu es le Dieu capable, rassuré que tu es le Dieu puissant, rassuré que tu fais des grandes choses. Jésus-Christ. Bien-aimé, pour cette femme, c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé. Elle a entendu cette voix au fond d'elle. Si elle touche ce vêtement, elle sera guérie. Elle savait qu'elle ne pouvait pas venir de face. Et dire au maître,
que je suis atteinte d'une perte de sang. Je suis cette femme qui a des menstruations qui ne terminent pas. Elle savait qu'elle ne pouvait pas faire ça. Elle était butée dans cette, elle était dans cette difficulté, ne sachant comment faire. Mais elle s'est dit en elle-même. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même. Si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guérie. Bien-aimé, que le Saint-Esprit vous révèle ce que vous devez faire. Pour cette femme, pour cette dame, c'était les habits qu'elle devait toucher. C'était la chose qu'elle devait faire. Parce que ce n'était pas facile. Parce qu'une femme impure ne touche pas les habits, ne touche pas quelqu'un, ne touche pas la chose qui appartient à autrui. Mais cette femme s'est décidée de le faire. Parce qu'elle a reçu la révélation de vêtements qui guérit. Le vêtement qui guérit a besoin du toucher de la foi. Bien-aimé, qu'est-ce que vous devez faire? Le Saint-Esprit doit vous révéler ce que vous devez faire dans votre situation. Est-ce qu'un sacrifice est-il votre toucher de la foi? Est-ce que le pardon est pour vous le toucher de la foi? Quel est votre toucher de la foi? Que le Saint-Esprit vous révèle. Que le Saint-Esprit vous révèle. Nous ne voulons pas de faire des choses comme des copieurs, comme des gens qui imitent, mais faire les choses comme le Saint-Esprit. Bien-aimé, elo koni no sengeli osala. Mon livre, mon sang toi révélé yo. Ton livre, ton sang, mais elo avec précision. Mon livre, mon sang toi révélé yo sengeli osala. Pona mona moi si yo ezala ki, asi metenye la mana Yesu. Elo koni no sengeli osala. Mon livre, mon sang toi révélé yo. Ta mousso ezali sacrifice moko sengeli osala. Ta mousso ezali Que le Saint-Esprit nous révèle. Que le Saint-Esprit nous révèle le toucher de la foi. Nous prions au nom de Jésus-Christ. To bon délit na kombo na Yesu. Mon lit mon sang. Révélez ngai touché na ngai. Toi qui touches le cœur. Révélez ngai. Révélez ngai yondo yebi bozindo. Yondo yebi likanisi na nzambe. Révèle-moi ce que je dois faire. Parle à mon cœur. Comme tu avais parlé au cœur de cette femme. Cette femme avait entendu dans son cœur qu'elle devait toucher le bord du vêtement du Christ. Saint-Esprit, révèle-moi ce que je dois faire pour ma situation. Ce que je dois faire pour mon mariage. Ce que je dois faire pour mes enfants. Ce que je dois faire pour mon travail, ce que je dois faire pour mon business, ce que je dois faire pour ma santé, dans le nom de Jésus, pour mon sang, Nazobele Layo, Nazana Posanayo, Nakosalanini, Nakosimanini, Nakoyokanini, Molibo Monsantou, Révélez-moi, Saint-Esprit de Dieu, Révélez-moi, Molibo Monsantou, Révélez-moi, Saint-Esprit de Dieu, Révélez-moi. Urabaya mabrosa karabai de shanda, mabrosa karabarabai de shende, Maria mando sa karabaraba, e karabarabarabaraba.
Ma sœur Peniel, ma sœur Esther, je voudrais que nous ajoutions quelque chose pour tosambe la malam ou na bande konandako. Peniel, la profondeur déclenche le surnaturel. Même Pierre, s'ils n'étaient pas allés encore en profondeur, et qu'ils avaient fonctionne. Même Bartimée pouvait bien se taire parce que ce n'était pas convenable de crier pendant que les choses se faisaient d'une certaine manière. Mais lorsque vous avez la même situation et que vous faites la même chose et que vous la faites de la même façon, et vous serez toujours dans cette situation-là. Mais il faut des fois que les choses se brisent. Il faut des fois que le protocole se mette en difficulté afin que votre guérison vienne. Amen. Il faut des fois que le sabbat soit violé afin que vous puissiez avoir votre guérison. Amen. Mais ces choses demandent que vous entrez en profondeur. Okay. Que vous entrez en profondeur. Je veux que nous puissions prier. Tokoebi sanzambe. A renouveler ma kanisina biso. Toye babo zindo na nzam. Afin que tout le monde soit capable de entraîner les na qui na bozindo na ye. Afin que tout vivre ma situation ya sika. Tout vivre ma solution ya sika. Oyo tozo zelate. Oyo to kana ka komuna metomo na kate. Oyo to tika na toujours na position ya kozela yango. Eya. Bien aimé ma kamwane sale makaka na bozindo. Un habit, c'est quelque chose d'habituel. C'est quelque chose de simple qu'on a l'habitude de voir. Mais ce jour-là, cet habit détenait la guérison de cette femme. Elle a souffert pendant 12 ans. Elle a vu des habits de toutes sortes. Elle a vu des couturiers de plusieurs sortes. Elle a vu des habits portés de plusieurs sortes, des grands couturiers. Mais ça n'avait rien changé dans sa vie. Et la Bible insiste en disant qu'elle avait tout possédé. Mais là, il s'agit des habits qui amènent la guérison. Bien-aimés, nous allons dire au Seigneur, s'il te plaît Seigneur, attire-moi dans la profondeur afin que je saisisse mon miracle. Attire-moi dans la profondeur afin que je vive le surnaturel. Seigneur, ne me laisse pas superficiel, que je ne reste pas naturel, mais que je puisse entrer dans cette profondeur afin de vivre le surnaturel. Tobondelina comme on a Jésus. Alléluia. Souvent je suis hésité. Oh Seigneur, j'ai vu dans l'air en profondeur pour une raison ou une autre.
Seigneur. Je voudrais que les choses restent normales. C'est pourtant que les choses doivent être des fois violées afin que je trouve ma solution. Des fois, le sabbat doit être violé afin qu'il y ait ma solution. Afin qu'il y ait ma guérison. Afin qu'il y ait mon soulagement. Elle avait entendu pendant 12 ans. Il n'y avait pas de solution. Mais il fallait seulement que la loi du monde soit violée. Afin que la loi de la grâce, l'amour de l'esprit de vie, amène la guérison. Seigneur, je te prie, amène-moi dans la profondeur. Amène-moi dans la profondeur, Jésus. Amène-moi dans la profondeur, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, comme dans Philippiens 4, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Amène-moi dans la profondeur, afin que les choses dans ma vie changent. Afin que les choses dans ma vie changent. Et carabaraba yachaka, ma brazo caraba. Seigneur, le poisson ne se trouve que dans la profondeur. Le filet peut se romper que quand on va dans la profondeur. C'est pourquoi je te prie, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Amène-moi dans la profondeur. Seul, je ne serai pas. Seul, je n'arriverai pas. Mais avec toi, Seigneur, je peux aller dans la profondeur. Ma brusa karabai de kega. Meru yamandos kabaraba. E maramai de shigarabai de blusaka. Entends la prière de mon frère. Entends la prière de ma sœur. La profondeur, Jésus. La profondeur. Profondeur Jésus, la profondeur Jésus. Oh rakaya mando yaka. Mare amando se pereganta. Ma brusa karabai de chende debe. Maru yamando se garaga. E karabai de chende araba. Ma brusa karabai de kenta. E yamando se garaga. Ma brusa karabai de chondorio. Me brusa kantori akaka. Me ma brusa kante. Eria mando se maraba. Ma brusa karabai de chente. Ma brusa karabai de chasso. Ma brusa carabai de chente. 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 Ma brusa carabai de Bozindo, 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 Bozindo Nayo, afin que Seigneur, merci ma guérison Nangaï, afin que Seigneur, ne konanga si assis ma délivrance. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Mabrosa karabai de chente, ora barabai de chika. Mabrosa karabai de chente, mabrosa karabai de chente, mabrosa karabai de chente. Tobondeli au nom de Jésus Christ. Ésaïe chapitre 54, le verset 15. Frère Francis, j'aime la version seconde de la colombe. J'aime comment on présente les choses. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Amen. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Amen. J'aime cette version. Mais dans d'autres versions, toujours second, mais second, voilà, c'est ce qu'on dit. Ésaïe 54, verset 15, mon frère. Ésaïe 54, verset 15. Je voudrais qu'on me garde ce texte-là parce que c'est sur base de ça que nous allons prier. Nous allons aller avec des prières d'autorité. Nous allons déloger le malin dans votre situation. Si cette maladie, si cette situation est voulue par des puissances occultes, par les puissances maléfiques, nous allons aujourd'hui finir avec ça. Dans cette version, on dit quoi? Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Mais j'aime la colombe qui dit, si l'on t'attaque, lui parle même pas de complot. Il parle d'attaque. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Ça dit, s'il t'attaque, il tombera à cause de toi. Si la maladie de cette femme, cet écoulement de sang,
était de manière occulte, était de manière venait de du malin. Ce jour-là, certainement, il y a eu trouble dans le camp du diable. Nous allons déloger le diable. Nous allons lui dire, ma situation, si elle vient de toi, tu vas tomber aujourd'hui. Parce qu'il a osé t'attaquer, il va tomber aujourd'hui. Amen. Esther, Peniel, est-ce qu'on veut, on peut dire, il va tomber aujourd'hui. Il va tomber aujourd'hui. Il va tomber aujourd'hui. Il va tomber aujourd'hui. Avec ses manigances, avec son organisation, avec tout ce qu'il fait, il va tomber aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, des situations inconfortables ne peuvent pas te plaire. Les situations inconfortables ne peuvent pas réjouir Dieu dans ta vie. C'est vrai, Dieu permet. Mais Dieu ne se réjouit pas de notre malheur. Dieu ne se réjouit pas de notre difficulté. Bien-aimé, tu vas prier. Nous allons prier. Tozo kwei sanguya nyo suya moini. Oye maintenant kabiso na ba difficulté. Oye maintenant kabiso na ba confusion. Tout ce qui fait en sorte que nous soyons maintenus dans cette situation inconfortable. Nous allons faire tomber tout cela. Nous allons briser tous ces jougs. Nous allons renverser toute cette puissance. Aujourd'hui, tout cela va tomber. Amen. Toute cette puissance d'échec, toute cette puissance de maladies bizarres qui ne terminent pas, des maladies incurables qui ne se guérissent pas. On passe de médecin après médecin, d'hôpital après hôpital, de tel guérisseur à tel guérisseur. Aujourd'hui, ça va tomber. Amen. Aujourd'hui, ça va tomber. Bien aimé, télé, merci, Kozali. Tozo kwei sabilo konyo soana. Tozo kwei sabanguya nyo soana. Ozo ebi sansam. Maladi yo e wumeli nabomo inangaye. E sali bamboule belé. Le longuya nyo seza sima maladi yo. Na kwei siango dans le nom de Jésus. Tobondeli na komo na Yesu. Ma brusa karaka ide kenta. Ma brusa karaba ide kenta. Maria mando sega. Maria ha ha. Me brusa kara. Maruya mando sega. E karaba raba ide sheka. E sakaraba. O sakaraba. Laissez-moi ce verset à l'école, mon frère Francis. Laissez-moi ce verset à l'école. Oui, merci. Maria mando sega. E karaba raba ide sheka. Ma brusa kara. Pouvoir y a malédiction, pouvoir y a choléra, pouvoir y a kozama, pouvoir y a limitation. Lelo, ebanda kokweya, maboko no ezawapi, wapi maboko na yo, kofan de sika mokote, ozo tabola, ni de zole nisayo. Les gens qui sont libres de la vie, Tokwesi kozanga lelo 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 ekweya eloko nyoso elisakayo kwesi yango onyoso eli ba maladie incurable ba maladie umela we mema kaizo ka jerisote lelo na kwesi yango lelo na kwesi yango lelo na kwesi yango na kombo na Yesu et maintenant na souffrance et maintenant na difficulté lelo na kwesi yango et ataka kingai lelo na kwesi yango na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu ezakaraba bruza kantoria enderebe bruza enderebe bruza shondara baraba bruza karaba ma bruza karaba ile shenda ma bruza kantoria e karaba ça tombe ça tombe ça tombe ça tombe ça tombe toute la puissance de l'ennemi tombe toute la puissance du diable tombe toute la puissance du diable tombe oh rakayama je renverse ses attaques je renverse sa puissance. Je renverse sa puissance dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus. O karabarabarabai de chende. Ma brusa karabai de chenda. Ma brusa karabai de chenda. Enderebebe brusa. Paru yamando sakaraka. Et karabaraba. Tous les complots du diable ne fera rien dans ma vie. Celui qui se liguera contre moi, il tombera sous mon pouvoir. Il tombera sous mon pouvoir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pouvoir na bangwezo si la. Pouvoir na bangwezo si la. Ma brusa karabai de chenda. Et karabarabai de chenda. Ma brusa karabai de chenda. Enderebe brusa karabai. Ma brusa karabai. Et karabarabai de chenda. Ma brusa karabai de chenda. Ma brusa karabai de chenda. Ma brusa karabai de chenda. Et loko ni les onzanis ayoki la. Et loko wane lili. Tobondeli au nom de Jésus Christ. J'aime ce que les Quinois disent. Peut-être vous n'êtes pas quinois, vous êtes en Afrique quelque part, vous êtes européen, vous êtes en Amérique. Mais les quinois disent ceci, Oche Toche. Ça dit, si tu m'attaques, je t'attaque. Amen. Si tu oses me faire du mal, je te le renvoie. Amen. Je ne voudrais pas ici enseigner la vengeance, mais je voudrais dire seulement que je voudrais prier avec ceux-là qui en ont marre des attaques du diable. Ouais. La dame, si elle avait demandé, si elle devait demander l'autorisation pour aller toucher le vêtement, personne n'allait l'autoriser. Bartimée, fils de Timée, s'il s'était dit, bon, je dérange parce que je crie, j'arrête de crier. Bien-aimé, le monde ne vous permettra jamais d'avoir facilement ce que vous devez avoir. Okay. C'est pourquoi mon pasteur dit toujours, les royaumes de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Parce que la vie est injuste. Elle ne vous donnera jamais ce pourquoi vous méritez, ce que vous méritez. Et c'est pourquoi les violents s'en emparent. Parce que les violents ne s'intéressent pas à ce qu'on va dire. Ils ne s'intéressent pas à tous les empêchements. Ils ne s'intéressent pas à toutes ces lois. Dans notre famille, on ne fait pas comme ça. Dans notre famille, s'il y a telle situation, il faut laisser. Dans notre famille, si on vous fait ça, il faut accepter. Je veux que nous prions ensemble. Nous allons dire, Seigneur, nous refusons cette situation. Nous refusons cette situation. Nous refusons cette médiocrité. Nous refusons cette limitation. Nous refusons cette improductivité. Nous refusons cette stérilité. Parce que ce n'est pas normal. La Bible déclare dans Ésaïe 53 qu'il a pris nos infirmités. Qu'il a emporté nos afflictions. La Bible dit même que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Alors pourquoi je dois souffrir? Parce que tous ces châtiments est tombé sur le Seigneur de gloire. Et il avait vaincu ce jour-là à la croix. Il a dit tout est accompli. Il a emporté toute ma souffrance, mes difficultés, mes souffrances. Et j'ai la vie. Et il a dit qu'il était venu pour la vie en abondance. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons dire, nous refusons cette souffrance. Nous refusons cette médiocrité. Nous refusons cette aliénation. Nous refusons ces échecs. Nous refusons ce blocage. Dans le nom de Jésus, Tobondeli Nakomo na Yesu. Keneko boya. Ozo boyango. Nakomo na Yesu. 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 Se karabarabarabai de chenda. Ma brusa karabarabai de chenda. Maria Mandoria kai de chenda. Ma brusa karabarabai de chenda. Maria Mando se karabarabai de ga. Ma brusa karabarabai de chenda. Et refusez la commune à Yessou. Je refuse la médiocrité dans ma vie. Je refuse des maladies dans ma vie. Je refuse
refuse la maladie dans ma vie. Je refuse le COVID-19 dans ma vie. Je refuse toutes sortes de maladies dans ma vie. Oh, Rakayamande, parce que je ne suis pas concerné. La Bible dit que vous me servirez. Je loignerai la maladie au milieu de vous. Oh, Rakayamande, c'est ça. Je bénirai vos sons et vos pères. Et je loignerai la maladie au milieu de vous. C'est pourquoi, Seigneur, la maladie n'est pas mon lot. La maladie n'est pas mon lot. Quelle que soit la renommée de cette maladie, ce n'est pas mon lot. Parce que la Bible déclare, lorsque je sers le Seigneur, ma blouse à carabaye de Jéka, toute maladie s'éloigne de moi. Na combo na Yesu. 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 Et carabaye de Brozaka. Ma blouse à carabaye de Chende. 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 Et carabaye de Chéka. Ma blouse à carabaye de Chende. Icaria main de Scampo. Ma blouse à carabaye de Kenda. Enderebe blouse. Enderebe blouse. Enderebe blouse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Arere amando saka. Je n'accepte plus n'importe quoi du malheur. Je n'accepte plus n'importe quoi du malheur. Je suis en Christ, Christ lui est en Dieu. Alléluia. Ma vie est en Jésus-Christ. Alléluia. Ma vie est en Jésus-Christ. Alléluia. Je suis appelé à vivre dans l'abondance. Alléluia. Je suis appelé à vivre la réussite. Alléluia. Je suis appelé à vivre le succès. Alléluia. La santé divine est mon partage. La santé divine est mon partage. L'émergence est mon partage. Le diable ne peut rien contre moi. Le diable ne peut rien contre moi. Sur la croix, il a été vaincu. Sur la croix, il a été vaincu. Le Père a dit, viens, mets-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Je suis en Christ. Je suis en Christ. Et carabaye de Brozaka. C'est pourquoi je proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Daria Maïnes Kabura. Et Karama Brozaka. Mabru Yazokanta. Ma blouse à canto. Et carabarabaï de sept. Ma blouse à canto. Il ne l'aime plus. Il ne l'aime plus. Et carabarabaï de chenda. Ma blouse à carabaï de kent. Il ne l'aime plus. Oria Mandosa. Ma blouse à canto. Mandari à caille de chenda. Ma blouse à carabaï de chenda. Ma blouse à carabaï de chenda. Ma blouse à canto. Luc chapitre 8, verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange. J'ai la version Louis II, mais la colombe. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte du sang s'arrêta. 45. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre dit, « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. » Bien-aimé, la force doit sortir de Jésus. Je veux que tu dis, que vous disiez au Seigneur, « Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Je veux qu'une force sorte de toi maintenant pour la chose qui concerne ma vie. Seigneur, qu'une force sorte de toi pour toucher la chose qui concerne ma vie. Si c'est pour mon mariage, que la force qu'il faut pour mon mariage sorte. Si c'est pour ma carrière professionnelle, que la force qui concerne tout ce qui est professionnel sorte de toi.
Si c'est pour mes enfants, que la force qui concerne les enfants sorte de toi, parce que tu es le Tout-Puissant. Et vous remarquerez, mes frères et sœurs, qu'ici, on n'a pas parlé de la force. On a parlé d'une force. C'est-à-dire qu'il est plein de force. Il est plein de puissance. Une force, peut-être que c'est une petite, et je crois que c'était une petite. Et cette petite-là est sortie de lui. Nous avons besoin de cette force qui sort de lui. Afin que les choses changent. Afin que les choses bougent. Parce que là, nous avons aussi fait déjà le mouvement comme cette dame. Nous avons avancé. Nous avons décidé de toucher son vêtement. Mais Seigneur, que la force sorte de toi. Qu'une force sorte de toi. Afin de toucher ma vie. Afin de changer ma vie. Nous prions dans le nom de Jésus. C'est qui ça prie en langue. Peut prier en esprit. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je crois que le Seigneur vous a visité. Amen. Et que sa faveur s'est manifestée dans votre vie. Je voudrais que nous puissions remercier le Seigneur pour cette grâce. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Dans le nom de Jésus. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Merci pour ton amour et pour ta bonté. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta puissance. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà, bien-aimés. Nous étions avec vous et nous avons passé ce temps en prière. Je crois que le Seigneur vous a visité et sa bénédiction est au milieu de vous. Pourquoi pas son shalom aussi? Je dis merci à Esther. Merci Esther. Je dis merci à Péniel. Je dis merci à mon frère Olivier Eric, mon frère Francis. Et que Dieu vous bénisse. Bonsoir chez vous.